Les perceptions sont des probabilités. Et maintenant, on va aller rentrer un petit peu plus dans comment est-ce qu'on sait ça et puis comment est-ce qu'on peut voir que notre cerveau va en fait reconstruire la réalité, donc il va se créer l'histoire qui lui semble le plus probable et le mieux collé à ce qu'il connaît, à ce qu'il peut anticiper. Si je vous montre cette image, vous pouvez regarder cette danseuse, dans quel sens elle tourne? Et pour certaines personnes, vous allez la voir danser à gauche, tourner à gauche, d'autres tourner à droite, et peut-être qu'elle va changer de sens. Si vous regardez maintenant l'image de droite, de gauche, vous allez avoir la danseuse qui tourne vers la droite. Et si vous regardez l'image du centre, elle tourne vers la droite. Si vous regardez l'image de droite, la danseuse tourne vers la gauche, et si vous regardez l'image du centre, elle tourne vers la gauche. C'est hyper bizarre. Regardez l'image de gauche, elle tourne à droite. Regardez l'image de droite, elle tourne à gauche. Et si vous revenez sur celle du centre, elle suit ce que le cerveau a appris. Parce qu'on lui donne des lignes, on lui donne des indices. Et en fait, la danseuse tourne ni dans un sens ni dans l'autre. C'est un mouvement qui n'a pas de sens. Et le cerveau va lui-même reconstruire un sens en fonction de ce qui lui paraît le plus probable, le plus réaliste. Donc, on a toute une série d'illusions d'optique. Celle-là, oh. Par exemple, on voit qu'il y a des bugs, et le cerveau, il reconstruit le passage de la bille et il change la forme du bois, parce que pour lui, c'est pas possible d'avoir une forme comme ça. Donc il change, hop, tout d'un coup, et zou, et ça change, et le triangle bouge. Donc on peut commencer à voir en vrai, et voir notre cerveau qui est en train de reconstruire la réalité sous nos yeux, et on peut le tester. Par exemple, cette illusion d'optique par ce japonais qui est absolument incroyable. Vous voyez des ronds, vous tournez et hop, vous voyez des pointes. Sauf que ce n'est pas possible hein, parce qu'un objet, soit il est rond, soit il est pointu, mais il ne peut pas être les deux à la fois. Et si on le retourne, on a de nouveau des ronds. Donc on voit que selon l'angle de vue, selon le relief, le cerveau va construire soit une forme ronde, soit une forme pointue. Et la réalité, c'est que cette forme est ni ronde ni pointue. C'est juste notre cerveau qui va recréer une autre réalité. Si on prend cette autre illusion d'optique, la flèche est à droite, on la tourne, elle est toujours à droite. Ce n'est pas possible. On la retourne, elle est toujours à droite. Problème. On la tourne à gauche, dans l'autre sens, elle est à droite toujours. Le cerveau reconstruit la forme en fonction des indices qu'il a du monde, il va créer la perception mentale et on voit bien que si on met hop, un miroir derrière, elle pointe à gauche, alors que quand nous on la regarde, elle est à droite, si on la retourne, elle pointe toujours à gauche, elle pointe toujours à droite. Donc on peut commencer à voir cette reconstruction en réel par rapport aux probabilités que notre cerveau fait du monde. Maintenant, si on regarde, erreur d'interprétation, le mouvement. Alors là, on voit les formes bouger. Elles tournent comme des petites spirales. Il y en a qui tournent, des fois elles s'arrêtent, des fois elles retournent selon là où on pose le regard. Donc on voit l'illusion de mouvement. Le cerveau crée une sensation que les formes bougent alors qu'il n'y a rien qui bouge. C'est juste lui qui reconstruit et qui fait une probabilité que ça bouge. Si on regarde cette illusion-là aussi, le carré derrière, on a l'impression qu'il glisse comme ça en bas à droite. De nouveau, une sensation de mouvement qui est de toute pièce créée par notre cerveau. Parce que, au vu des alignements comme ça, il considère que ça devrait être probablement être un mouvement qu'il perçoit. Une autre illusion, la profondeur. Vous voyez Einstein là, comme ça, il est tourné vers nous. Son visage, on le tourne. Ah ben non, c'est maintenant qu'il est tourné vers nous en fait. On le retourne. On voit que c'est creux, donc on se dit qu'on va voir le creux, et en fait, le cerveau reconstruit, on a l'impression qu'il est de nouveau tourné vers nous. Donc il change la profondeur, et là, on voit le creux, mais en fait, on a l'impression que le visage est orienté vers nous. Donc le cerveau reconstruit de toutes pièces cette notion de profondeur en fonction des indices qu'il a à disposition. Donc on peut voir comment les perceptions sont constamment, constamment reconstruites en fonction de tout ce dont on a discuté avant. Par notre cerveau.
Si maintenant on regarde le bruit neural, ça c'est génial. Si vous regardez les points violets, vous voyez un point violet qui disparaît. Et juste l'absence de couleur violette. Si vous regardez maintenant le plus, au moment où vous regardez la croix au centre, comme ça, vous voyez un point vert qui apparaît et qui tourne. La réalité de ça, c'est le violet et le vert sont des couleurs opposées au niveau des neurones de notre cerveau. Et du coup, comme il y a la couleur violette qui est présente, et elle disparaît, effectivement, ça c'est la réalité qui se passe. Sauf que comme il y a la couleur violette, les neurones verts vont s'allumer au moment où le point violet il disparaît. Et ça, c'est pour permettre de refaire la balance, d'essayer de retrouver en fait l'équilibre. Donc cette apparition du point vert, quand vous regardez le petit plus, c'est les neurones verts du cerveau qui s'allument tout seuls parce qu'il y a trop d'activation des neurones violets pour essayer de faire la balance au moment où les neurones violets ils s'éteignent et ils se calment. C'est vraiment des processus de rééquilibrage et la réalité c'est que cette couleur verte n'existe pas, elle est reconstruite de toutes pièces par le cerveau et elle n'a aucune réalité dans l'extérieur. C'est vraiment juste un verre intérieur. Alors, les perceptions, on a dit qu'elles avaient plein de facettes. Comme un cristal, elles ont des sensations physiques, les émotions, l'attention, la mémoire, l'anticipation, le système de la récompense, le système du soi, le contexte. Donc, repassons à travers ces différentes strates pour vraiment comprendre comment notre cerveau fonctionne. Les sensations, on va commencer par les sensations externes, donc celles qui sont en lien avec l'extérieur de notre corps, avec le monde environnant. Donc ces sensations externes, elles vont rentrer dans notre cerveau dans ce qu'on appelle les aires sensitives primaires. Donc il y en a plusieurs, il y en a une pour le toucher, c'est celle qui est actuellement là sur la photo, il y en a pour les images qui est derrière, il y en a pour les sons qui sont sur le côté, il y en a pour les goûts et il y en a pour les odeurs. Donc chaque sens a des parties du cerveau qui vont prendre les informations qui viennent de l'extérieur juste pour les recevoir. C'est les informations brutes, même si elles ont déjà été filtrées, triées, refiltrées, amplifiées, triées, refiltrées, amplifiées à plein de niveaux, c'est, disons, les informations les plus brutes que le cerveau peut avoir. Et ça, on appelle ça la ségrégation, parce que ça permet au cerveau de savoir déjà un petit peu où ça se passe. Et dans sa tête, on a des cartes mentales, en fait, et ça, c'est la carte mentale de la sensibilité. Donc, on voit, donc chaque strate du cerveau est plutôt pour la main, les lèvres, le visage, les pieds, tout ça. Il y a plein de strates différentes. Donc, on sait exactement selon quelle partie du cerveau est activée, quel est l'endroit du corps qui reçoit cette information sensitive. Et du coup, on peut dessiner en fait une carte, c'est ce qu'on appelle un homunculus sensitif, donc c'est-à-dire en fait une carte qui montre que la partie de la bouche et de la langue, elle a énormément de neurones. C'est une très 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 grosse partie de notre cerveau parce qu'il faut pouvoir vraiment bien sentir ce qui se passe dans la bouche. Pareil pour les mains, c'est très important de sentir la sensibilité des mains. Par contre, on voit genre les avant-bras, c'est nul. Le ventre, le dos, c'est nul. Les jambes, c'est nul. Puis les pieds, bah ça, ils sont beaucoup plus gros. Bah, c'est aussi très important de sentir la sensibilité des pieds. Donc, il y a énormément de neurones qui reçoivent l'information sensitive des pieds, des mains et de la langue et de la bouche, par exemple. Ça nous dessine cette homunculus. Donc ça, c'est les aires sensitives primaires. Ce sont les premières parties du cerveau à recevoir l'information qui vient de l'extérieur, bien qu'elle ait été déjà largement modifiée. Ensuite, ces aires primaires, elles vont envoyer ces informations, donc avec notre système de colonnes, soit en série, soit de manière en parallèle, comme ça, par les aires associatives secondaires, qui sont en fait là pour commencer à analyser, pour commencer à mettre des formes, pour commencer à mettre des couleurs, pour commencer à mettre du mouvement, pour commencer à mettre des visages, par exemple. Donc on entre dans le processus d'association avec ces aires associatives secondaires. Et ensuite, une fois qu'on est passé dans les aires primaires, les aires associatives, on part un peu dans tout le cerveau pour vraiment aller réunir toutes les autres parties du cerveau manquantes qui peuvent commencer à donner des étiquettes et permettre de faire un processus d'arbitrage, donc ce qui est important, pas important, et un processus décisionnel de, OK, bon, c'est bien beau, quel est le sens qu'on donne à ces informations reçues, et quelle est l'action, quelle est la décision qu'on va faire en fonction du sens qu'on donne. Donc, on a ce système de
passage de l'information comme ça pour les sensations externes. Si on regarde pour les sensations internes, et on va parler d'une zone du cerveau qui s'appelle l'insula, qui est la petite zone verte vraiment à l'intérieur comme ça du cerveau, c'est une zone très importante pour la réception des sensations internes, donc celles qui viennent du corps. Donc les sensations de nos organes et notamment de nos organes, comme c'est vraiment une zone importante pour ça. Et dans ces sensations internes qui viennent du corps, donc l'insula, elle va réceptionner ces sensations internes sur savoir un petit peu bah, comment fonctionne le corps, comment ça se passe à l'intérieur, donc ça c'est dans certaines parties spécifiques, et elle va servir un peu de carrefour, comme ça, de zone d'intégration. Elle va prendre des informations sensorielles, donc qui viennent du corps, elle va prendre des informations cognitives qui viennent de la réflexion, elle va prendre des informations des émotions pour pouvoir participer au processus de gestion du risque, au processus de prise de décision, par exemple, notre cortex préfrontal et notre cortex singulaire antérieur, le PFC et le CC. Elle a un rôle qui est très important dans la conscience de soi, l'insula, parce qu'elle va permettre de pouvoir relier le corps et la conscience de soi. Donc ça, c'est un rôle majeur. Et elle va aussi moduler l'amygdale, donc qui est notre centre émotionnel, par rapport aux douleurs. Elle a un rôle très important par rapport à la gestion des émotions, la gestion des comportements. Et notamment les comportements qui vont être en lien avec le stress et les comportements défensifs. Et pour ça, l'insula peut agir sur notre système nerveux autonome pour pouvoir activer ces comportements de stress ou défensifs. Elle a un grand rôle dans la modulation de la douleur et il y a beaucoup de recherches qui sont faites sur cette partie du cerveau pour comprendre encore mieux comment est-ce qu'elle fonctionne. Donc on a les sensations externes, on a les sensations internes et pour se souvenir, de manière générale, nos sens ne captent qu'une toute petite partie de la réalité. Ça, c'est la partie visible du spectre de la lumière. Donc nous, on voit toutes ces couleurs-là, c'est cette toute petite partie-là. Il y a au-dessus les ultraviolets, les rayons X, les rayons gamma, en dessous les infrarouges, les micro-ondes, les ondes radio. Donc il y a énormément d'ondes de lumière que notre cerveau est absolument incapable de percevoir. D'où son calcul de probabilité sur son ignorance, son interprétation des erreurs. Donc, nos sens, c'est la même chose pour tous, ne captent qu'une toute petite partie de cette réalité extérieure et intérieure. Cette toute petite partie d'information est encore énormément filtrée, énormément retriée, énormément amplifiée pour pouvoir donner du sens. Donc, on a triage, amplification, intégration. De toutes ces informations. Et tout ça nous amène au fait que bah, la certitude qu'un arbre est vert, ou qu'un arbre est grand, qu'un arbre est petit, ou que ceci est comme cela, ou que autre chose est de la même manière, ça peut remettre en cause quelques vérités, parce qu'on capte qu'une toute petite partie du monde, et il faut pouvoir trouver cette flexibilité mentale pour changer parfois un peu nos croyances. Tout ça se passe, on l'a déjà vu parmi ces colonnes qui vont intégrer cette information et ces quelques informations qu'on arrive à percevoir du monde vont être triées, retriées, amplifiées, intégrées, complètement transformées. On va leur donner un sens que le cerveau a créé comme ça de toutes pièces. Tac. Alors, autre chose, c'est que on pensait un temps que les yeux captaient la lumière, que les oreilles captaient le son, que le toucher captait le toucher. Ok, ça, bien sûr, ça marche de manière séparée. Mais la réalité, c'est que notre cerveau va faire une intégration multisensorielle. Donc, il va prendre plusieurs sens pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe au niveau de l'information. En fait, il va associer des sens pour vraiment augmenter la capacité de percevoir une information. Et ça va se jouer déjà au niveau des aires sensitives primaires. Donc ça veut dire que quand vous voyez quelque chose, par exemple un canard, vous voyez un canard et vous entendez le canard, les informations visuelles du canard, elles vont être plus fortes, captées plus fort parce que vous l'entendez. Parce que le cerveau arrive à utiliser plusieurs sens pour essayer de distinguer ce canard. Et si vous voyez le canard, que vous entendez le canard et que vous pouvez toucher le canard, caresser le canard, alors les informations visuelles
vont être encore plus fortes. Et les auditives et le toucher encore plus fort, parce qu'il y a plusieurs sens qui peuvent commencer à essayer de prendre les informations de ce canal. Et ça signifie que les sons influencent les images, que les images influencent le toucher, que le toucher influence les images. Tous les sens vont s'auto-influencer et déjà dans nos aires primaires, qui sont l'information brute, il y a eu une influence par rapport aux autres sens de perception. Donc on a déjà une méga modification par rapport aux autres sens. Et en plus par rapport à l'extérieur, le cerveau fait la même chose avec l'intérieur et l'extérieur. C'est-à-dire que en fonction des informations internes et des informations externes qu'il perçoit, ces deux types d'informations vont s'influencer. Donc selon votre état de sensation interne, et de nouveau, c'est une expérience qu'on a très souvent, par exemple, si on n'est pas bien ou si on est stressé, ça influence énormément notre façon de percevoir le monde. Et de la même manière, si on est super bien, super tranquille, ben, ce qui se passe à l'extérieur, on le perçoit complètement différemment. Donc il y a un fort lien entre les différents sens qui vont s'influencer mutuellement, et il y a un fort lien entre le système de réception des sensations internes et le système des sensations externes. Et tout ça va s'influencer déjà très 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 tôt dans le système de réception de l'information. Donc comment on teste cette intégration multisensorielle, par exemple avec la ventriloquie? Alors on va sur American Got Talent, il y a plein de trucs trop génial. On c'est un tout petit peu chic avec une jeune fille qui fait de la ventriloquie. Et on a vraiment l'impression que c'est la marionnette Darcy qui Lynn. parle ou qui chante Okay, parce qu'elle le Darcy, fait who's super that? bien. My name's Petunia. Wait, talks. Is it a bunny? Yes. Is that a real bunny? Well, we're gonna find out. Okay. And Darcy, why did you both decide to enter the show? Well, it was one of my big dreams. Donc, ce qui est intéressant, c'est que notre cerveau va vraiment se faire tromper, puis c'est extraordinaire avec les enfants de voir en fait la peluche qui est en train de chanter. Are you ready? Yeah, I'm ready. Hit it. What you're gonna see? Mm-hmm. Oh boy. Franchement, ça claque. Allez, je vous laisserai voir la suite tout seul. Elle s'appelle Darcy Lynn et franchement, elle fait des trucs incroyables. Donc là, on voit la ventriloquie qui peut nous jouer des tours. Maintenant, il y a eu d'autres travaux qui a été fait au niveau des neurosciences. Ça s'appelle l'effet McGurk. Donc vous allez écouter, il va y avoir un personnage qui fait un son. Vous allez écouter quel est le son qu'il fait et bien regarder comment sa bouche articule. Have a look at this. What do you hear? Donc ce que vous entendez, ba, ba, probablement ba, 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 ba. But look what happens when we change the picture. Si on change l'image, ba, 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 on entend va, va, va. And yet, the sound hasn't changed. In every clip, you are only ever hearing ba. With a B. On rechange l'image, on entend de nouveau bas. It's an illusion known as the McGurk effect. Take another look. Concentrate first on the right of the screen. On se concentre sur la droite. Now to the left of the screen. Et sur la gauche.
The illusion occurs because what you are seeing clashes with what you are hearing. Donc, en fait, selon l'image et l'interprétation que les yeux font du mouvement de la bouche, ça change le son qu'on entend. On peut entendre ba 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 ou va 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 selon les images. Donc, on voit vraiment comment des images peuvent moduler le son et ça arrive pour tous les autres sens. Si maintenant on parle des émotions, alors on parle un tout petit peu des endroits importants du cerveau et notamment de l'amygdale, qui est vraiment une petite partie du cerveau hyper importante pour les émotions parce que c'est une des zones où on colle les étiquettes émotionnelles de manière totalement inconsciente, hyper rapide, comme on a vu, 0,1 seconde. Et on met des étiquettes agréables, mais surtout c'est la zone pour les dangers, pour mettre les étiquettes désagréables. Et pour chaque sensation qui passe dans notre corps, quel que soit le sens qui la prend, il passe dans le système émotionnel et on a une détection ultra rapide des dangers qui se fait. En plus de ça, l'amygdale va faire tout un processus de balance émotionnelle, danger, pas danger, pour aider à la prise de décision et du coup à la gestion du risque avec notre cortex préfrontal et notre insula, comme on a vu tout à l'heure. Et elle va créer ce qu'on appelle des émotions, donc la peur et des émotions plus complexes qu'on peut appeler sentiments ou émotions, c'est pas très important, l'anxiété par exemple. Donc, elle va moduler notre système du stress et elle va moduler la douleur. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les émotions, c'est directement branché dans le système de la douleur, ça peut augmenter et baisser la douleur, et c'est directement branché dans le système du stress, ça peut augmenter, baisser le stress. En plus de ça, l'amygdale, elle va changer notre façon de mémoriser pour pouvoir mémoriser notamment les choses qui peuvent nous mettre en danger. Et les situations où il peut y avoir un problème, et elle va participer au comportement réflexe de la survie. Donc la fuite, le combat, la paralysie notamment, et d'autres comportements moteurs de survie. Au niveau vraiment neuroanatomique, si on prend votre cerveau, juste un petit curseur, touc, si on prend votre cerveau, on coupe une tranche de votre cerveau, les yeux sont devant, et on va regarder depuis devant cette tranche de cerveau, on voit que l'amygdale, elle est ici. Donc, elle est dans la partie verte et elle est dans cette partie-là. Puis, si on zoome sur cette partie rouge de l'amygdale, en fait, on retrouve une structure avec 12 ou 13 sous-parties qui sont chacune connectées avec des parties du cerveau, qui chacune reçoivent des informations du cerveau, qui discutent entre elles, qui soit s'activent, soit s'éteignent. C'est hyper compliqué, hyper intéressant. Et c'est vraiment un complexe qui est assez petit, parce que c'est la taille presque d'un M&M's, mais qui vraiment a un rôle extrêmement important dans notre cerveau. Si on le regarde d'une autre manière, l'amygdale, c'est la toute petite partie ici qu'on a vue, composée de toutes ces parties. En fait, elle est liée à un grand complexe en forme de C, comme ça, qu'on appelle le système limbique, et qui est composé de plein d'autres structures de notre cerveau. Et un des rôles majeurs de tout ce système de connexion, ça va être de gérer notre système émotionnel et notamment la partie inconsciente de notre système émotionnel. Donc, on voit qu'il y a vraiment une grosse partie de notre cerveau qui fait ça. Alors maintenant, les émotions, et on parle des comportements réflexes. Si on montre un concombre à un chat, il se passe ça. Ils ont une peur bleue des concombres. Je vous le remets juste une fois. C'est hyper bizarre. Il ne l'a pas vu. Et au moment où les yeux captent ça, avant même qu'il ait eu le temps d'analyser quoi que ce soit, le corps, qu'il l'a tendu dans tous les sens pour les comportements réflexes. C'est la même chose qui arrive quand on marche sur un chemin et qu'on voit une corde qui nous fait penser à un serpent. Réflexe de fuite. Ça, c'est un des gros réflexes qui est déclenché, partir en courant et se sauver. Réflexe de combat. Les chats sont des créatures incroyables. Et réflexe de paralysie. Alors, ce n'est pas une vraie paralysie, je vous en montre juste après, mais elle est tellement drôle qu'il fallait l'arrêter. Donc, on a ces réflexes moteurs de fuite, de combat et de paralysie. C'est trois grands systèmes. Qui sont très, 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 très vieux dans l'évolution, dont le cerveau humain a hérité, et qui nous permet de pouvoir réagir très rapidement à des situations, et souvent de manière très inconsciente.
si on regarde une vraie paralysie, on regarde ça avec les opossums parce qu'ils sont super balèzes pour faire ça. This tactic is of little use, especially since the opossum can't run. Ça c'est un coyote. Il a chopé un opossum. Et les opossums ont vraiment développé ce système de paralysie pour se protéger des coyotes. Donc ils sont complètement anesthésiés, ils ne sentent plus rien du tout. Le coyote peut les mordre, ils ont zéro douleur. Et ils sont complètement tétanisés. L'idée derrière, c'est que comme il n'y a pas de stimulation, comme il ne bouge pas, en fait, le coyote il se pose des questions pour savoir si vraiment c'est quelque chose qu'il peut manger. Parce que peut-être qu'il y a une maladie qui va choper. Et du coup, il commence à douter puis à avoir un peu peur de manger comme ça cette bestiole qui est complètement paralysée. Mais on voit qu'il respire encore. Et son système émotionnel est en train d'analyser la situation et attend que le coyote soit parti. Une fois que le coyote est parti, il commence à se réveiller tranquillement. Et là, il a besoin de vraiment de temps. Il a vraiment besoin de temps pour pouvoir récupérer. C'est pas juste réveillé, endormi, c'est qu'il a vraiment besoin de temps pour reprendre le contrôle de ses muscles, se réveiller doucement, sortir de cet état vraiment de léthargie, de paralysie. Des antilopes qui font ça aussi, il y a plusieurs autres animaux qui peuvent avoir ce genre de choses. Alors maintenant, si on regarde les émotions, comment ça peut influencer nos perceptions, ben là on regarde un tas de poubelles, voilà, c'est un tas d'ordures, ça a son charme. Et si on regarde en réalité ce que c'est, en fait c'est une sculpture d'art, et quand on regarde l'ombre derrière, le tas d'ordures a beaucoup plus de charme, et en tout cas un intérêt nettement plus agréable que ce que c'était juste avant, un tas d'ordures. C'est incroyable de réussir à faire ça avec un tas de poubelles. Donc on voit comment notre système émotionnel peut être modulé et peut changer nos perceptions. Si on en regarde d'autres, on peut tester ça en neurosciences. Donc les gens dans cette étude, juste le curseur, dans cette étude vont passer une image subliminale. Donc une image subliminale, c'est une image qui a le temps d'être vu par les yeux et les aires primaires et secondaires du cerveau, mais qui reste pas assez longtemps pour qu'elle passe dans la conscience. Donc la personne n'a pas conscience qu'il a vu l'image, la conscience de soi, l'image n'est pas rentrée dans la conscience de soi. Par contre, si on regarde au niveau de l'IRM fonctionnel, on voit que l'image a été captée et perçue par le cerveau, mais elle est restée dans les processus automatiques inconscients. Donc à certains participants de l'étude, ils ont fait passer cette image de cette petite fille-là, et à d'autres, ils ont fait passer l'image subliminale de cette petite fille-là. Donc les participants n'ont pas vu, n'ont pas conscience qu'ils ont vu cette image. Et à tous, ils montrent cette image de cette petite fille avec les bras dans le dos et ce regard neutre. Ça, c'est l'image qui est présentée. Les participants doivent dire s'ils la trouvent plutôt sympathique ou pas, plutôt désagréable comme ça. Et bien évidemment, tous ceux dont le cerveau a capté l'image subliminale de cette petite fille qui va leur lancer un gâteau sur le visage la trouvent plutôt désagréable et sont plutôt sur la défensive. Et ceux qui la voient avec ce gâteau qu'elle est en train d'offrir la trouvent plutôt agréable en imaginant qu'il y a plutôt une surprise. Mais ils ne savent pas pourquoi ils choisissent agréable ou désagréable. Ça se travaille derrière au niveau des émotions et de tout le reste de notre cortex associatif. Donc on peut vraiment tester ces trucs-là au niveau scientifique. Alors maintenant, vu les émotions, on passe au système de l'attention. Le système de l'attention, il est regroupé dans un réseau de neurones qu'on appelle le réseau de science, donc qui permet en fait de dire ce qui est important ou ce qui n'est pas important. Au niveau de notre cerveau, il y a plein de zones qui participent à ça, l'insula antérieure, le cortex singulaire antérieur, l'amygdale,
vertèbre mentale ventrale, le thalamus, le cortex orbitofrontal. Il y en a plein, ils ont relié dans plusieurs boucles attentionnelles. On ne va pas toutes les repasser ici, mais disons il y a vraiment un gros réseau qui permet de pouvoir mettre l'attention quelque part ou la mettre ailleurs, pouvoir déplacer notre focus attentionnel. À quoi ça sert ? Ça sert à pouvoir prioriser l'attention. Donc, prioriser l'attention, ça veut dire que les informations qui viennent qui sont importantes, captées soit par l'intérieur du corps, soit par l'extérieur, peuvent monter dans la conscience. Ça, c'est le principe de l'attention de bas en haut. Donc, c'est on marche sur la punaise et après, on se rend compte qu'on a marché sur la punaise parce que ça fait mal. Maintenant, on peut avoir l'attention qui peut être dirigée vers un but. On a marché sur la punaise et on cherche les autres punaises dans la pièce pour vérifier qu'il n'y en a pas d'autres et qu'on est en sécurité. Donc, on fait depuis le haut vers le bas et avec notre conscience volontaire, on dirige notre attention vers certaines images, certains mouvements, certaines formes, sons ou autre chose. Donc, on peut avoir une attention automatique qui monte ou une attention volontaire qui descend. Le réseau de l'attention nous permet de surveiller les dangers. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va éteindre un autre réseau de neurones qui est le réseau par défaut, dont on va parler tout à l'heure dans la conscience de soi, qui est le réseau qui permet de rentrer dans un état de rêverie et d'introspection. Donc, quand notre cerveau est en train de faire quelque chose, de réfléchir à quelque chose, ou est dirigé vers un but, ce réseau un peu d'activation par défaut est éteint. Comprenons bien que l'attention fonctionne de manière, disons, pour la plupart du temps automatique, et que ça c'est pour la partie bas haut, un peu volontaire quand on est dirigé vers un but, mais c'est une toute petite partie de notre attention, et que toutes les informations qui n'ont pas été sélectionnées par l'attention restent inconscientes. Elles restent en dehors de notre champ de conscience, on ne sait pas qu'elles sont là. On ne peut pas savoir qu'elles sont là. Elles sont captées par le cerveau, mais elles ne sont pas là. Et il y a plein d'informations qui ne sont même pas captées parce qu'elles n'ont pas passé les différentes colonnes de réseau, elles n'ont pas passé les différents seuils d'activation, elles n'ont pas été retenues par l'attention, puis juste, on ne sait même pas qu'elles existent. Alors, si on parle maintenant de ce mécanisme de tri attentionnel haut, bas et bas vers le haut. Donc, si on regarde ces bouquins de Chercher Charlie, ça, c'est l'attention du haut vers le bas. C'est une attention volontaire et on va vers un but. Alors, je vous laisse quelques secondes pour essayer de trouver Charlie. Et votre cerveau va essayer de chercher l'image de Charlie. Et pour ceux qui ne l'ont pas trouvé, je ne vous le montre pas, vous prendrez du temps pour le regarder plus tard. Ça, c'est l'attention du haut vers le bas. On cherche quelque chose de particulier. Si maintenant on fait l'attention du bas haut, c'est la punaise, c'est on met les mains sur la plaque, on s'est brûlé, c'est on s'est coupé, on s'est fait mal quelque part. Donc c'est ce genre de messages qui sont pour le coup là automatiques, qui viennent du corps intérieur ou de messages qui viennent de l'extérieur, c'est des informations prioritaires qui doivent monter dans la conscience parce que potentiellement il y a un danger et du coup elles ont été retriées, amplifiées par notre système émotionnel, de mémoire, de la récompense pour pouvoir monter dans notre conscience de soi. Maintenant, si on regarde le pouvoir de l'attention, alors vous allez vous focaliser sur la voiture bleue. Vous allez voir que c'est des petits malins, ils vont faire sauter l'image, essayer de trouver toutes les petites différences qu'ils mettent sur cette voiture bleue. Vous concentrez toute votre attention dessus, vraiment les roues, les portières, regardez bien les poignets, les rétroviseurs, parce qu'ils font des petits changements, des petites différences. Ils essayent de vous distraire avec des gens qui passent derrière. Restez bien concentrés vraiment sur la voiture. Cherchez qu'est-ce qu'ils sont en train de changer. À chaque fois qu'ils font sauter l'image, ils essayent de mettre ou pas des petites différences. Et on a l'impression qu'il ne se passe rien. La réalité, c'est que quand le cerveau est complètement focalisé sur un but, on peut changer tout le décor extérieur et vous allez voir tout ce qu'ils ont changé dans le décor et vous n'avez rien vu. Tout ça, ça c'était l'image de base. Une voiture qui change, le lampadaire, la femme avec un cochon, tous les bâtiments, les couleurs, le singe au-dessus. Tout ça, c'est des changements
qui se sont passées. Et quand on est focalisé sur quelque chose, on voit rien de ce qui se passe autour. Parce qu'il n'y a que les informations qui peuvent rentrer de notre but, de ce sur quoi on a un intérêt qui est priorisé. Tout le reste, on est complètement aveugle, on est complètement sourd, complètement insensible. Et c'est ce genre de technique qu'on va utiliser beaucoup avec l'hypnose pour focaliser l'attention sur quelque chose et ne pas penser, par exemple, à la douleur ou au stress ou à d'autres choses. Donc, le tri attentionnel, c'est hyper, hyper, hyper puissant. Et ça nous fait perdre une immense quantité des informations extérieures ou intérieures. Si on le teste d'une autre manière, vous allez regarder cette image et trouver la différence entre les deux images. Et c'est hyper difficile, en fait. Cherchez la différence. Il y a une seule différence pour la trouver. Vous avez 24 secondes. Et c'est hyper dur. Sauf quand vous l'avez trouvé. Au moment où vous l'avez trouvé, vous ne voyez plus que ça après. Pour ceux qui ne l'ont pas trouvé, je le repasse, c'est le réacteur d'avion. Là, il a disparu, apparu, disparu, apparu, disparu, apparu. Ça devient une évidence. Et si on passe les images rapidement, en enlevant le moment noir, on voit tout de suite qu'il disparaît, qu'il réapparaît. C'est une évidence, parce qu'il n'y a pas la petite coupure noire qui fait que le cerveau est un peu perdu et est en train de réanalyser les informations. Une autre qui est moins connue, vous allez compter le nombre de passes que fait l'équipe blanche. Essayez de trouver le nombre exact de passes de basket qui a été faite par l'équipe blanche. 1, 2, 3, ou elle a fait une feinte, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Pour ceux qui ont vraiment bien compté et qui ne connaissaient pas le test. Oh, j'ai compté 16, il y en avait 15, mince. Est-ce que vous avez vu le gorille passer? Il y a un gorille qui passe et qui danse au milieu. Et quand on est concentré à regarder les passes, on ne le voit pas. Et lui, il passe, il fait ses petites danses au milieu et il s'en va. Et nous, on est complètement focalisé et on ne voit absolument pas ce gorille qui passe. Donc ça, c'est le pouvoir de l'attention et c'est tout ce que les magiciens et les illusionnistes utilisent et maîtrisent parfaitement toutes ces techniques pour ramener votre attention sur quelque chose et vous empêcher de voir et d'entendre ou de ressentir d'autres choses. On passe à la mémoire maintenant, au niveau de notre cerveau. La mémoire, elle est principalement localisée, tchac, plein de structures différentes, mais l'amygdale va jouer un rôle pour la mémoire émotionnelle, l'hippocampe va jouer un rôle pour vraiment la mémoire des épisodes, donc il y a le thalamus qui joue un rôle, il y a toute la chaîne des ganglions de la base pour les mouvements, puis après il y a une énorme partie de tout le reste du cerveau qui travaille pour mémoriser des souvenirs beaucoup plus complexes comme ça. Donc il y a énormément de parties de notre cerveau qui travaillent pour la mémoire et en fait on a énormément de mémoires différentes. Ça paraît un peu bizarre comme ça, mais on a de la mémoire à court terme, ça c'est la mémoire de quelques secondes, genre vous recevez le code de votre banque sur un SMS et vous devez le taper sur votre application pour déverrouiller votre application de la banque par exemple. Vous devez retenir 3, 4, 6 chiffres pendant 10 secondes. Ça, c'est la mémoire à court terme. Elle a une capacité très, très faible, mais ça permet de pouvoir utiliser des choses de manière très rapide. Comme ça. Et après, vous avez de la mémoire à plus long terme, qui est séparée en deux groupes. Il y a la mémoire déclarative, c'est la mémoire dont on peut parler, c'est-à-dire « je me souviens qu'il y a une année, j'étais en voyage en Bretagne » et avec un tel, et j'ai fait ça. Donc, c'est la mémoire déclarative. Je peux en parler des épisodes, par exemple. Il s'est passé quelque chose. Et il y a une mémoire déclarative, sémantique, donc vraiment du sens de certains objets, par exemple. Je sais ce que c'est qu'un couteau, je me souviens ce que c'est, je sais comment est-ce que je peux l'utiliser. Et après, ça, c'est une mémoire dont on peut parler. Puis après, il y a une mémoire non déclarative qui est implicite. C'est qu'on vous donne une paire de clés dans les mains et tchoc,
de manière totalement procédurale. Vous savez l'utiliser, vous prenez les clés, vous ouvrez la porte. Vous n'avez pas réfléchi à vous dire, attends, quel est cet objet? C'est une clé. Comment est-ce qu'une clé, ça s'utilise? Ah oui, je me souviens avoir vu ça. Enfin, si vous ne l'avez pas vu souvent, vous allez faire ce travail. Mais une fois que vous l'avez fait plein de fois, vous utilisez plus. C'est la même façon que sur le smartphone, on utilise de plus en plus notre smartphone et on a des procédures, donc des automatismes qui se créent. Et ça, on ne peut pas parler de ces automatismes, juste on sait les faire et puis ils se font tout seuls en fait. Ce n'est pas qu'on peut expliquer par rapport à ça. Il y a des mémoires, donc non déclaratives, qui sont des conditionnements en réponse à des émotions. À chaque fois qu'il y a cette émotion, c'est ça qui se passe dans mon corps, ou à des réponses musculaires. Par exemple, il y a quelque chose qui se passe, un mouvement qui se passe dans votre corps et ça vous ramène certains types de mémoires de manière automatique. Comme ça. Il y a des apprentissages non associatifs avec les voies réflexes. Ça, je dois vous avouer que je ne sais pas exactement ce que c'est. Et il y a une mémoire non déclarative qui est les amorçages, qui va en fait, vous voyez une image et on va le tester juste après. Vous voyez une image et tchouk, ça vous envoie directement dans un registre. Par exemple, vous voyez un canard, comme on discutait tout à l'heure. Vous parlez d'un canard et en fait, ça vous ouvre le registre des oiseaux. Ça, c'est la mémoire d'amorçage de manière totalement inconsciente. Ce sera beaucoup plus facile de retrouver des souvenirs en lien avec des oiseaux quand on parle ou quand on voit un oiseau, par exemple. Donc, les mémoires ont plein de sous-catégories, plein de spécificités différentes et plein de parties du cerveau qui gèrent ces spécificités. Ce dont il faut bien se rendre compte, c'est que la mémoire, elle est dynamique. C'est pas on prend une image, on la met dans le classeur et puis dans 10 ans, on le rouvre et on a la même image. Ça, c'est totalement faux, mais alors totalement faux. La mémoire, elle est sans arrêt, en train de se transformer. Et un souvenir que vous avez eu, je sais pas, il y a une année, si vous y pensez maintenant, il est totalement différent de la scène qui s'est passée. Et si vous y repensez dans une année, elle est différente de une année avant et de la scène. Et dans 10 ans, il est complètement différent. Les souvenirs sont modulables, se transforment, ils sont sans arrêt en train de changer. Mais nous, on s'en aperçoit pas parce qu'au moment où on y repense, on est sûr que c'est le vrai parce que c'est la boucle de connexion de souvenirs qu'on a à ce moment-là et on est persuadé que c'est ça. Ce qui est vrai au moment où on y repense. Mais c'est pas du tout la réalité de ce qui s'est passé avant. Donc ce processus de mémorisation, il commence par notre mémoire de travail, donc cette mémoire vraiment très courte, à court terme, qui va permettre de sélectionner certaines informations, donc en travaillant avec notre attention. Cette mémoire de travail, elle envoie ces informations dans une mémoire à court terme, qui est une mémoire intermédiaire, comme ça, qui travaille un tout petit peu plus longtemps. Et cette mémoire à court terme, elle va ensuite envoyer ces informations dans la mémoire à long terme, où il y a un processus de consolidation qui se met en place, c'est-à-dire que les connexions entre les neurones se renforcent. Donc les zones, les synapses, les zones de contact entre les neurones vont se renforcer pour pouvoir transmettre l'information de manière beaucoup plus facile. Ça, c'est ce qu'on appelle la consolidation. C'est comme si on créait un câble électrique beaucoup plus gros pour envoyer, ben, par exemple, un souvenir d'une plage, d'une belle plage, beaucoup mieux, ou le souvenir du concombre par rapport au chat, là, qui a eu peur par rapport à son concombre. Ben, ce souvenir-là, qui lui a fait peur, il peut être peut-être consolidé. Maintenant, ces souvenirs à long terme, ils sont pas immuables. Ça, c'est ce qu'on pensait avant. Mais en fait, ce qu'on a découvert, c'est qu'ils peuvent être réactivés. C'est-à-dire qu'on peut repenser à ce souvenir et on peut récupérer le souvenir. Donc, par exemple, un vieux souvenir qu'on avait oublié d'un truc qui s'est passé à l'école ou de quelque chose d'autre, on peut retrouver ce souvenir, donc le processus de réactivation, et on peut réexprimer ce souvenir s'il y avait de la tristesse, de la peur, de la colère, de la douleur, de l'angoisse, ou je sais pas, de la nausée dans ce souvenir. Elle peut se réexprimer physiquement au moment où le souvenir est réactivé, ce qui est par exemple le cas dans un traumatisme. On parle de réactivation d'un traumatisme, c'est que le souvenir est en train de se réactiver, donc il y a de l'électricité qui tourne dans la boucle de souvenirs, et du coup qui est en train de recréer, d'exprimer les sensations, les perceptions qu'il y avait dans le souvenir. Ce souvenir à long terme peut être réactivé et peut être déstabilisé, et ça se passe tout le temps. C'est-à-dire qu'il peut, les connexions peuvent rentrer dans un mode où on peut les modifier, on peut les effacer, on peut les renforcer. Donc,
on peut commencer à retravailler sur notre boucle de connexion de souvenirs en déstabilisant ces souvenirs à long terme pour les modifier ou les effacer. Et si le souvenir est gardé, qu'il n'a pas été effacé, il a été modifié, on peut le rendre encore plus solide, donc on peut le reconsolider, par exemple, pour le rendre encore plus présent et encore plus fort au niveau des voies de connexion. Et puis, s'il a été effacé, bah, il a été effacé comme ça. Donc, on a vraiment une possibilité de travail sur la mémoire qui est quelque chose d'extrêmement mouvant et malléable. Ça, c'est une autre façon de le voir qui est tirée de ce livre. C'est exactement la même chose. Donc, on a un souvenir à partir de là. Hop, on part d'un souvenir. Il peut être modifié, il peut être effacé, il peut être reconsolidé, il peut être réactivé, exprimé ou récupéré. Il peut être déstabilisé et ensuite reconsolidé ou effacé. Donc, on a vraiment ces boucles de travail sur la mémoire. C'est un peu vraiment comme si on faisait le refresh du disque dur, on est sans arrêt en train d'aller revoir des souvenirs qui sont utiles, on les change, on les transforme. Donc notre cerveau est sans arrêt en train de transformer notre mémoire pour ajuster sa capacité de faire des probabilités. En fait. Par exemple, on peut voir ce processus d'apprentissage en passant d'un apprentissage conscient et on va commencer à le mémoriser pour le passer dans un programme automatique inconscient. Par exemple, quand on est en train d'apprendre une tâche, imaginons que vous commencez à jouer au piano, tiens, vous commencez à apprendre une tâche, ça va être ces parties sensitives qui sont activées, ces parties frontales, ces parties motrices. Et puis, une fois que vous avez beaucoup pratiqué, c'est plus du tout les mêmes parties du cerveau parce qu'on est passé dans un autre type de mémorisation. Donc, on peut vraiment utiliser notre conscience pour aller agir sur nos souvenirs et les transformer. Puis, bah, une fois qu'on sait jouer du piano, on n'utilise plus du tout notre cerveau de la même manière qu'un débutant. C'est des zones complètement différentes. Puis ça peut vraiment se voir au niveau de notre cerveau avec des IRM. Alors, si on teste la mémoire, qu'est-ce que vous voyez là? Probablement un couple enlacé. Et la réalité, c'est que si vous montrez ça à des enfants, ils voient des dauphins, à des enfants qui ne sont pas en âge de sexualité. Parce que notre cerveau a appris que la sexualité, c'était hyper important pour la reproduction de l'espèce. En plus, potentiellement, ça peut être cool, pas toujours. Mais du coup, il a intégré ça et il voit tout de suite le couple enlacé au niveau des perceptions, dès qu'on voit l'image. Je vais vous montrer ça à des enfants pour qui les animaux, c'est beaucoup plus cool que la sexualité, et ils voient tout de suite les dauphins parce que c'est bien plus important pour eux d'avoir des animaux, de voir les animaux, que de voir la sexualité. Donc notre mémoire va avoir une influence directe sur les images, les sons, les sensations et notre perception. Là, vous voyez probablement un perroquet. Mais si vous regardez de plus près, en fait, c'est une femme avec l'épaule, le bras, les genoux repliés, les jambes comme ça, une jambe avec le pied pointé, le nez, les yeux et le bras au-dessus de la tête. Mais les couleurs, les formes nous font tellement penser à un perroquet que automatiquement on a le registre des oiseaux comme ça qui s'ouvre. Maintenant, parlons du contexte et des biais qui peuvent être engendrés par le contexte de notre environnement externe ou interne. Alors là, on va travailler surtout sur le contexte externe. Le contexte change les perceptions comme tout ce qu'on a vu. Si vous regardez ce cube, probablement que vous voyez que cette couleur-là et cette couleur-là sont différentes. Celle-là, elle est un peu plus marron. Celle-là, elle est nettement plus orange. La réalité, c'est qu'elles ont exactement la même couleur. Si on cache les autres couleurs, elles ont exactement la même. Et je vais juste vous le montrez en vrai, c'est pas un trucage. Un petit carré. Et je vais prendre la pipette pour le remplir. On va prendre la petite pipette et on prend cette couleur-là. Elle est marron. Deuxième carré, je reprends la pipette et je vais prendre cette couleur-là. Elle est marron aussi.
C'est exactement le même marron. Exactement le même marron. Exactement le même marron. Mais notre cerveau change les couleurs. Change les couleurs à cause des autres couleurs qu'il y a autour. Il se dit que ça ne peut pas être la même chose. Si on prend d'autres images comme ça, c'est trop cool ces images. La case A et la case B ont des couleurs différentes. Vous voyez la A qui est probablement beaucoup plus foncée et la B qui est probablement beaucoup plus claire. La B, elle a plutôt la couleur blanche, claire comme ça, et la A, la couleur foncée comme ça. Parce qu'on a appris que dans un échiquier, il y avait une alternance des couleurs et avec l'ombre du cylindre, forcément, celle-là est plus claire. Réalité, elles ont exactement la même couleur. Si on cache l'ombre et qu'on trace un trait, de nouveau, je vais vous le remontrer. Tac. Allez, on va la mettre en rouge et celle-là en rouge. Je prends la petite pipette. Oups. Petite pipette. On prend la case A. Et déjà, la case B, elle a repris la même couleur, quasiment. Maintenant, on prend la pipette, on prend la case B. Et là, elles ont exactement la même couleur. C'est sensiblement la même chose si je le mets dehors. Exactement pareil. Si on enlève les traces, hop, automatiquement, on revient avec une case B en quelques secondes beaucoup plus claire. Si on les remet, hop, elle reprend direct sa couleur grise. Tchac. Ça, c'est le biais à cause du contexte. Si vous regardez maintenant ces deux faces, vous voyez probablement que le côté A est beaucoup plus gris foncé que le côté B. Si vous mettez votre doigt à l'horizontale entre les deux cases qui cachent vraiment l'intersection entre les deux, c'est juste dingue, elles ont la même couleur. Vous enlevez votre doigt, gris et blanc, vous remettez votre doigt, gris et gris, exactement la même chose. Gris et blanc, gris et gris. Parce que en fonction de ce qu'il y a autour, ça ne peut pas être la même couleur pour votre cerveau. Il fait des probabilités et il change votre façon de voir le monde. Autre biais, si vous regardez les deux ronds orange, vous voyez probablement que celui à droite est nettement plus gros que celui à gauche. Celui-là paraît plus petit, celui-là paraît beaucoup plus gros. Réalité, exactement la même taille. Si on prend un rectangle, je vous le remontre de nouveau. Si je prends un rond, le rectangle, si je prends un rond et à exactement la même taille, je l'amène ici, exactement la même taille. Tac. Donc, selon la forme qu'il y a autour, ça change la taille. Donc, on voit comment notre cerveau nous influence constamment, constamment, constamment en fonction du contexte. Tac. Le biais maintenant de notre anticipation. Si je vous dis un arbre, vous voyez tout de suite un arbre, vous mettez beaucoup plus de temps à voir les visages parce qu'on a ouvert la catégorie des arbres. Et ça, c'est l'effet de primage, amorçage, comme ça. Et vous voyez un cygne, et probablement que vous voyez tout de suite le canard et que vous mettez beaucoup plus de temps à voir le lapin. Et pour ceux qui ne voient pas le lapin, il a un petit œil ici, il a son petit nez ici avec sa bouche et il a ses petites oreilles derrière. Mais comme on a l'image du cygne et du canard, l'image du canard apparaît vraiment directement à cause d'un effet de primage, c'est-à-dire qu'on a activé à l'avance tout le registre des oiseaux en voyant l'image du cygne et du coup on voit beaucoup plus vite l'image du canard. Si on avait mis un lapin, on aurait vu beaucoup plus vite le lapin. Donc, nos perceptions sont des illusions de la réalité, sont des reconstructions faites par notre cerveau, c'est des probabilités en fonction de plein de facteurs dont on a parlé, et c'est vachement difficile à changer. On a vu qu'on se fait complètement avoir par les illusions, même si on sait ce qui se passe et pourquoi ça se passe. Parce que la réflexion consciente, ça ne suffit pas. Il ne faut pas juste dire « Ah, en fait, cette illusion... »
En fait, c'est la même couleur. Non, le cerveau travaille avec tous ces programmes automatiques, qui sont inconscients. Et il y a besoin de faire une réelle expérimentation du changement pour transformer les programmes automatiques. Et ça, c'est tout le travail, par exemple, de la psychothérapie, de l'hypnose, de l'EMDR et tout un tas d'autres techniques qui vont travailler sur, en fait, ben, changer ces programmes automatiques pour changer la perception du monde et du coup, les effets physiques. Si on prend l'expérience de Stroop, par exemple, il va y avoir des mots écrits avec différentes couleurs. Donc, par exemple, jaune va être écrit en rouge ou en vert. Vert va être écrit en orange. Vous allez dire le plus rapidement possible les couleurs, pas le mot. Vous devez dire la couleur le plus rapidement possible des colonnes. Vert, jaune, rouge, noir, vert, bleu, rouge, bleu, bleu, rouge, bleu, rouge, bleu, noir, vert, jaune, noir, vert. Je me suis un petit peu entraîné. Peut-être que vous êtes allé plus vite que moi, mais probablement pas, parce que notre cerveau est complètement parasité. Il voit jaune. Et jaune, ça peut pas être vert. Jaune, c'est jaune. Donc, quand on doit dire la couleur et pas le mot, c'est hyper difficile et ça demande un méga, méga effort. Si par exemple, on doit dire les mots, c'est beaucoup plus facile. Jaune, noir, violet, orange, bleu, vert, bleu, rouge, jaune, vert, rouge, bleu, orange, vert, rouge, noir, violet, orange. Beaucoup plus simple de dire les mots et pas les couleurs. Et il faut pouvoir switcher comme ça de l'un à l'autre. Et par exemple, dans des expériences, ils ont fait de l'hypnose avec des gens, ils ont donné des suggestions aux gens de voir uniquement les couleurs et plus le sens des mots. Et en fait, ils donnent les couleurs sans du tout tenir compte des mots de la même manière que aussi rapidement que nous, on lit les mots et on se fait de la même manière que nous, on lit les mots en fait. Et quand nous, on doit lire les couleurs en étant à l'état d'éveil, ben c'est beaucoup plus dur. Donc, on voit comment c'est difficile de pouvoir changer, en fait, ce programme automatique. Si je vous montre une autre illusion de M. Sugihara, vous voyez probablement des toboggans qui montent et une bille qui monte, ce qui n'est pas possible au niveau de la gravité. Donc, vous imaginez bien qu'il vous a roulé, vu que c'est un petit malin. Et la bille montée, vous savez que c'est un illusionniste, vous savez qu'il y a un piège. Alors il est sympa, il vous montre son piège, et on voit qu'effectivement notre cerveau avait encore fait des probabilités, qu'il s'était encore bourré, et que en fait les toboggans descendent, et c'est absolument flagrant dans ce coin-là que les toboggans descendent. Donc on sait qu'ils descendent, on le sait, hein, il nous l'a montré, on a la vérité. Quand il nous le remet dans l'autre sens, et ben on les voit de nouveau monter et on voit que notre cerveau n'a pas pu changer ses programmes automatiques et qu'il voit de nouveau la bille qui monte. Parce que ça demande beaucoup de travail de pouvoir changer ça. Vraiment l'expérimentation. Si vous voulez aller plus loin dans les illusions d'optique, cette conférence est extraordinaire pour montrer plein d'autres illusions, j'en ai repiqué quelques-unes, mais il y en a vraiment plein d'autres. Et surtout, quelle est l'influence de ça dans la communication? Franchement, l'orateur, il est extraordinaire. Et comment est-ce que, en fait, ces biais, ces fausses perceptions qu'on a, c'est le fait qu'on donne du sens, qu'on invente toute une partie de ce qu'on voit, peut créer des problèmes de communication et du coup de personnes qui ne se comprennent pas, par exemple. C'est vraiment super bien. Allez voir ça.